Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous sommes en 2.2.05 si je me trompe pas. Nous reprenons toujours notre petit échange entre donc c'est comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Sunif quelque chose et Aditi. Cette fois-ci, j'ai pris à Pew et à SMJL, vu qu'en fait, elles sont pratiquement l'une à côté de l'autre. Donc, on y va. Soyons fous, chers amis. Hop. Et j'ai déjà des... Ah, je m'en doutais. Vous avez 10 secondes pour y arriver. Bonne chance. C'est sûrement ça que c'est en train de me dire. Hein. Donc c'est pour ça que je vais pas les voir. Simplement parce que j'ai la haine. Non, c'est pas ça que je veux du tout. Par contre, là tu te calmes. Ok, bon bah c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, je vais juste crack. Hop, on part. Crac, voilà, et on est bon. Ok, on est bon, c'est bon. Ok, c'est parti. Oui. Donc vous allez voir qu'en fait, elles sont juste à côté de l'autre, juste une à côté de l'autre, comme au niveau de Pew et de SMJL. Du coup, je vais en profiter pour faire les deux. Et vous allez voir aussi, là, actuellement, nous sommes à 11 755 000. Je pense qu'on va passer au-dessus des 13 millions, rien qu'avec un trajet. Ou pas très très loin. On va faire à peu près 1 million, je pense, là. Ok. Il y a une somme à 39%, faut que je garde ça en tête. On accélère un petit coup. Voilà. Allez! Viens boire un petit coup à la maison. Ok, on est bon. Aditi, me voilà. Je suis là. Je suis là pour toi. Et c'est parti, mon zizi. Ok, on est bon. Toujours pas de nouvelles. Il est pratiquement 17h chez nous. J'ai toujours pas de nouvelles si je vais avoir accès à la bêta. J'ai contacté le support. J'ai contacté gamespain.com pour m'assurer d'avoir un maximum de chances de pouvoir participer à la bêta de Wildlands. Donc, nous verrons bien. Mais pour l'instant, c'est assez mal engagé, je suis désolé. Mais rassurez-vous, il y aura bel et bien un let's play, c'est ce que j'ai dit à Ubisoft. Il y aura bel et bien un let's play sur Wildlands, quoi qu'il arrive. Hop, SMJL central. Ensuite, nous irons à Pew Pew. Vous allez voir, Pew Pew qui est en fait finalement véritablement juste à côté. Voilà. Vous voyez qu'on réduit à la même vitesse en plus. Donc c'est vraiment pas très loin. Les autres avaient raison, heureusement que je suis tombé sur toi en premier. Ah bon? Richie Murchi. Oh putain, quand on a un nom comme ça, on se tait, on fait pas de conneries de ce genre. C'est lui qu'il faut que je bute. Putain, t'es où? Simone, t'es là. Cobra MK4, t'es sérieux? Utilité 0. Ok. Apparemment, il y a d'autres gens qui m'attaquent. Qui vont vouloir m'attaquer. Bah, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. On y va. Hop, excuse-toi. On y va. Bon bah se faire attaquer plusieurs fois apparemment, chers amis, donc c'est pas plus mal hein. Moi ça me dérange pas. Hop, je regarde. J'actualise mes mails tout le temps maintenant. Personne d'autre? Quel dommage. Allez, venez vous battre. Ah, y'a quelqu'un juste derrière nous. Enfin juste maintenant, je vais réduire un petit peu la vitesse. Il m'agresse pas verbalement. Ok.
quel dommage. Personne m'agresse verbalement? Parce que moi j'avance dans ce cas-là, hein, y'a pas de soucis, hein. Je pose juste la question, hein, mais... D'accord, un beluga, donc lui il risque pas, et le Sidewinder, il risque pas. Tant pis, hein. Ah, autre chose? Un Cobra MK3, ouais, mais enfin bon, voilà, quoi, ça, qu'un Cobra MK3, ça risque pas de me faire trop de mal, normalement. Alors, on a autre chose, apparemment, encore. Un Diamondback Scout, ça serait peut-être un peu plus offensif. Je ne sais pas, mais je me fais pas agresser verbalement, donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit. Un Adder et un Hauler, d'accord. Tant que je me fais pas agresser, personnellement... Ah, mais ça n'arrête pas! Ah non, il a disparu, non? Une nouvelle cible pourtant. Bon bah non, étrange. Étrange, bizarre, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Bon, ok. Deux Beluga Liner. Il y en a qui sont riches dans le coin. Ah là là. Le Beluga. Le Beluga. Moi j'ai que 11 pauvres petits millions, hein. C'est 12 presque. Bon après vous me direz, j'ai pas vendu un seul de mes vaisseaux. En termes, en règle générale, c'était où? C'était là. En actif actuel, actuellement j'ai 269 millions de crédits. C'est pas rien, vous me direz. Donc en comptant l'ensemble de mes vaisseaux et leurs modifications, l'argent que j'ai, tout simplement. Oula, je tape dans le micro. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas excessif, mais c'est pas mal. Je compte bien me focaliser sur plus de choses. Ne vous inquiétez pas. Ok. Il doit être bon. En termes de vitesse, ça a l'air d'aller. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je peux reposer un peu mes bras qui sont toujours comme ça quand je joue. Ça se passe bien. Il n'y a personne pour nous agresser autour, en tout cas. C'est une bonne chose. Ok, bon. On y est presque. Pas d'agression, rien du tout, donc on est plutôt bon. Je pense pas qu'on se fasse agresser juste devant la station. C'est assez rare. Hop. Allons-y. Hop. Je voulais voir ça aussi. Elle dit Core Dynamics, mais je sais pas si le FAS est un Core Dynamics. Ok. Allons-y en douceur, hein. Pas besoin de nous affoler. Calme-toi. Calme-toi. Ouais, j'ai un léger problème d'axe sur mon joystick. Pas. Alors le 15, il est dans le fond. Non, c'est bon apparemment. Non, mais à mon avis, c'est parce que c'est moi qui essaie de compenser le... Ou c'est un effet visuel vis-à-vis de la compensation du... Comment, du vaisseau pour la rotation. C'est possible. Parce que là, il me fait plus rien, donc c'est bon.
Oh, je suis pas loin. Hop. On est bon. Crac. On est bon pour le premier. Service Monsieur Port, on va pas rentrer dans le hangar pour le moment. On va d'abord faire ça comme ça. Crac. Crac. Tableau de mission. On va récupérer les missions vers Sinuf machin là. Sinuf. Hop. Ok. Alors, bien évidemment, je regarderai qu'à la fin. Crac. Alors, de quoi? On est à 39%, on est déjà passé à 43%. Nous avons fait 250 000 crédits. 300 000 crédits, même, je dirais. Et il nous reste encore toutes ces missions-là à rendre à SMJL, hein, je précise. À Pew, pardon. Donc, il y a encore ce qu'il faut, hein, derrière. Vous inquiétez pas. On va quand même regarder un petit peu avant. Diamond Vision, j'ai pas envie d'y aller. Diamond Vision, j'ai pas envie d'y aller. Là, j'ai besoin de me poser, donc c'est plutôt une bonne chose, je crois. Non, bah non. Ok, j'ai rien ici. Bon, pourquoi pas. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, dans le pire des cas, je retournerai plutôt demain. Si jamais j'ai pas assez de missions qui m'intéressent pour un épisode. Hop. Et on est reparti. Allez, pousse. Hop. J'aimerais aller là-dedans, dans la navigation. Vous voyez comme moi où je suis ? Hop, allons-y. Crac, on y va. Pleine puissance, monsieur Zulu. Ok. J'aimerais que nous nous rendions à Pew. Pew, Pew, Pew. Ok, Pew est en face. Nous sommes à moins de 1 SL, donc du coup ça va aller très très vite, hein, vous allez voir. On quitte le champ de gravité, voilà. Hop, et on est bon. On est bon, on est bon. On repart. Crac. Je baisse un petit peu la puissance ici. J'essaye dès le départ de remettre sur 2-2-2. Ah bah. Pourquoi ? Du coup, moi je voudrais voir ma barre. Ah, j'ai plus accès à mon. Voilà. Core Dynamics, effectivement, elle disait vrai. Ah oui, je viens de tilter, il faut avoir de la soute même pour des missions de livraison, sinon celles des récompenses, genre moteur, ne seront pas accessibles, du coup tu en loupes. Ah merde! Ça c'est de la mauvaise nouvelle! Ça c'est de la mauvaise nouvelle. Moi qui pensais qu'elles allaient pas être. Les récompenses allaient simplement pas être données. Bah écoutez, bah, on va repasser sur un autre vaisseau du coup, malheureusement. Merde, merde, merde. Soit je fais revenir le Python, ce qui me coûte cher, sans doute. Et si je le fais, c'est à SMJL Central, hein, c'est pas ailleurs. Parce qu'il faut que mon Python soit à côté de mon ASP Cobra, quoi. Mon ASP Cobra, oh là là. Mon ASP Explorer. Je te ponds un vaisseau, bonjour. Ah, j'ai que Pouic, hein. J'ai que Pouic. Mais je tape avec. C'était censé être un vaisseau de chasse à la base. Hein. Ok. Hop, on est bon. Crac. Je sais pas s'il faut demander une option.
remorque spatiale, comme ils viennent de le dire. Cependant... J'ai pas vu laquelle j'ai. 7, c'est celle-ci. Cependant... Apparemment, il montre même ma... ma place. Donc c'est cool, je savais pas ça. Mais apparemment, moi je suis d'accord avec lui sur le principe que... Frontier... Merde, j'ai oublié le train d'atterrissage. Frontier devrait être plus logique sur certains détails. Il y a forcément une soute dans chacun des vaisseaux. Une soute de base. Ça, pour moi, ça me semble logique. Mais bon, c'est ce que mon avis. C'est ça le problème en fait à l'heure actuelle. C'est que... avec les ingénieurs, il y a une soute. Il y a des problèmes de soute parce qu'il fallait amener des objets aux ingénieurs. Et c'est là que pour moi, selon moi, une soute de base, c'est-à-dire une soute référencée vis-à-vis de la catégorie et de la taille du vaisseau, devrait être nécessaire. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Et... C'est pas rajouter une soute de base qui va modifier, on va dire de manière forte la catégorie d'un vaisseau. C'est pas parce que je rajoute une soute de, imaginons, 50 places dans un Federal Assault Ship que ça va modifier le vaisseau. Si elle reste vide par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est que mon avis encore une fois, hein. Je rappelle que ce n'est que mon avis. Mais bon, je pense que ça devrait être une bonne idée. On est toujours à 43%, chers amis, et à peine 12 millions. J'entends des jolis bruits derrière moi, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Et verdict, maintenant nous sommes à... 12 millions 8, nous avons donc bien fait au moins 1 million. Nous avons fait 1 million 60 000 crédits même. Donc c'est une très bonne chose. Et en termes de... J'ai pas vu, on est à 54%. Autrement dit, on a fait 11% de rang d'écuyer sur ce petit trajet. On va aller voir vite fait, cela dit, les missions déjà disponibles ici. Pardon, je me trompe de bouton. Les missions déjà disponibles, si possible, vers d'autres... Bah, de toute façon, j'ai rien de disponible du tout. Comme ça, ça a le mérite. 12 de poissons à 1 500 000, il y a combien de distance? Ah oui, il y a combien de distance? 235 000, ok. J'aimerais aller au chantier, aller au transfert. Est-ce que je peux avoir des informations sur mes vaisseaux? Vous voyez déjà, Python, 3 millions de crédits pour le faire venir. Voilà. Réservoir. Sur mon ASP Explorer... J'ai pas du tout de... compartiment de soute. Ah si, j'en ai un. 3E. 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 Je me rappelle plus comment ça s'appelle le site. Merde. Ah, j'ai un trou de mémoire. Coriolis. Voilà. 3 Cargorac 3E, c'est 8 tonnes. J'ai 8 tonnes de commandes d'emplacement, plus un 6E. Ah, plus un 6E quand même, je veux pas dire, mais 6E, 64. Ah ouais, donc mon ASP Explorer sera clairement mieux fait pour ces missions. Et heureusement, il est juste à côté. Ok, cool. Et bah écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser là, je pense, pour cet épisode. Je pense, hein, on est à 20 minutes, oui, donc bah, malheureusement c'est un peu plus court que prévu. Mais je vais pas vous faire chier avec le retour sur... C'est très joli, c'est très 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 joli. Je vais enlever les phares. C'est très joli, je suis désolé, là c'est très très beau. je vais retourner, je pense, à SMJL sans vous. Je vais récupérer le... Je doute. J'ai une mission à 1 500 000 ici. Pas m'emmerder. J'en ai pour 5 minutes à le faire venir.
C'est juste une question de flemme, là, chers amis, je suis désolé. C'est pas vraiment un moment de la flemme, pour moi, ça me permet en fait de faire autre chose pendant ce temps-là et de gagner un petit peu de temps. Tout simplement. Donc, je vous laisse là, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!